TF1 et Marion Jolès présentent Levant le pied avec la sécurité routière. Romain, en tant que pilote de F1, comment tu appréhendes le freinage ? En théorie, la distance d'arrêt d'un véhicule est égale au temps de réaction du conducteur plus la distance effective de freinage. Et en pratique ? Sur un circuit, maîtriser son freinage dépend d'une multitude de facteurs, comme le poids du véhicule, l'adhérence des pneus ou l'état de la chaussée. Mais à moins d'être un pilote pro, on maîtrise son freinage en réduisant sa vitesse. Je vais te donner un exemple. Tu roules à 90 km/h. Il y a un obstacle à 60 mètres. À partir du moment où tu freines, tu mettras 70 mètres pour t'arrêter et tu vas le percuter à une vitesse de 50 km/h. À 80 km/h, tu ne mettras plus que 57 mètres. Et donc, tu t'arrêteras avant l'obstacle. En fait, la distance de freinage est souvent bien plus longue que ce que l'on pense. Eh oui. On ne joue pas avec la vitesse et le freinage. Tu as compris.